particulier qui souffle à Miramas. C'est une dynamique, c'est une énergie. Ces cités éducatives vont permettre mieux lutter contre les inégalités sociales et d'améliorer en quelque sorte la réussite scolaire. Elle était exceptionnelle, les activités elles étaient folles. On n'a jamais eu autant d'activités qui nous plaisent, c'est incroyable. J'ai le plaisir immense de lancer la première cérémonie des bacheliers à Miramas. Je trouve ça génial parce que ça montre que la ville elle est investie dans la jeunesse. J'ai vu beaucoup de solidarité entre vous, j'ai vu énormément de solidarité des jeunes de Miramas vis-à-vis des plus anciens. Plaisir pour nous de vous accueillir pour ce repas de Noël. Ça nous aide à découvrir la nature, ses secrets. Tout est fait pour passer une très bonne journée en famille. Je vous demande d'applaudir très très fort les nouveaux arrivants. On trouve qu'il fait bon vivre ici et que la ville devient de plus en plus belle. C'est un travail sur la biodiversité, c'est notre objectif. La nature en ville est déjà très présente sur le lieu. Il y a toujours cette volonté à Miramas de promouvoir le sport, quelle que soit la nature du sport, qu'elle soit aussi sport santé, handisport et sport valide mélangé. C'est extraordinaire. Sur Miramas, ça bouge quand même énormément. Nous allons faire de cet endroit un endroit privilégié avec le collège pour pouvoir avoir un collège éco-responsable. On va construire quelque chose de durable, d'économe, de fonctionnel. Nous, le département, nous devons être justement là pour permettre à ces enfants, aux équipes éducatives et bien sûr aux parents derrière, de pouvoir avoir des équipements qui soient à la hauteur des ambitions que nous voulons pour nos enfants.